Yo les fous, ici Zach de retour pour un live sur le serveur SCP Sigma RP Sirius RP. Ah oui, avec le nom écrit, ah oui. J'espère que vous allez bien, bande de mimeurs. Je suis bien gentil, mon ami. Ah, arrête de parler mal, arrête de parler mal. Tu me suis maintenant. Bah, je te suis, mais tu bouges pas. Il lève la voix sur un chien. Il est où lui avec son béret, hein, à la Niro? Ah, lui il va prendre cher. Bon, les classes D, ceux qui vont parler inutilement, c'est simple, la sécurité va vous baïonner. Ok. Bien, alors je vais vous expliquer ce qui va se passer. Déjà, faut que j'identifie qui a le plus de caractère. C'est moi. Arrête de mentir, c'est moi mon pote, t'as serré ou quoi? Ferme ta gueule, connard. Allez, tous en haut et on ferme ta putain de gueule avant que je m'énerve. Des caractères. 93, vous allez gérer une boutique où qui vend de la viande halal et des légumes. Ah, je connais bien mon oncle Hakim, il faisait de la viande halal. Voilà, tant mieux. Alors, toutes les autres explications seront données lorsqu'on se déplacera vers la salle. Alors, je vous demande de bien collaborer, sinon rupture de contrat sera faite immédiatement et vous retournerez au chemin de la mort. Paul, vous allez gérer une boutique. Putain, ferme ta gueule. Tu roules des putains de notes encore une seule fois. Tu les enfonces dans ta putain de gorge, connard. Merci bien. Bon, nous pouvons nous déplacer, commandant. C'est parti, je prends la tête de marche. Non, c'est pas des meilleurs grains, c'est là que je suis en train d'entendre par hasard. Si, si, c'est ça. Mais l'assistant, devant moi. Ok, bon, le vieux schnock là, oh, t'as me regardé? T'es dit quoi là? Je m'as dit de fermer ta gueule. Bon, les classes 2 à droite. Et bizarre votre grec. J'avoue, c'est quoi ce grec délabré? Ça je connais, c'est les grecs de sous-bois, je les connais pas. Bon, les classés tous contre le mur. C'est quoi ce kebab? Eh, je tiens pas des trucs comme ça, c'est le mur face à moi. C'est moi, je fais les tarots, c'est moi, je fais les tarots. Toi, tu l'as fermé, tu as contre le mur. Bon, le petit vieux, je crois qu'il a toujours pas compris que s'il continue à faire grincer ces putains de menottes de merde, j'allais vraiment m'énerver. Donc maintenant, le vieux, tu me suis bien gentiment. Je vous le ramène dans 20 minutes. Il va se faire casser le cul, lui. Alors pour faire simple, ici tu vois il y a de la viande un peu partout, tu vas servir les clients. Oublie pas, tu vends des légumes et de la viande halal. Des légumes halal? Non. Tu fous de ma gueule? L'autre boucherie vend pas de viande halal. Très bien. C'est ça. C'est moche. Bah c'est moche, tu préfères que je te retourne dans la zone classée, t'attends encore un mois avant de faire une expérience. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Alors ton but c'est de faire concurrence avec l'autre boutique et voir combien d'argent que tu peux accumuler. Oh je suis chaud là, je suis chaud. Oh lourd. Oh putain ma mère elle tient de moi. Tu vas rentrer dans cette boucherie. Ce que je voudrais que tu fasses, t'ailles voir le boucher qui se trouve là-bas, tu lui demandes s'il vend de la viande halal. S'il vend pas de la viande halal, tu lui dis ta manière de penser et après tu viens acheter de la viande dans la boutique qui est juste derrière toi. Toi, le vieux, vu que t'as l'air d'être un bon enculé de la société, tu vas jouer le rôle de provocateur. Alors tu vas vraiment aller faire chier le boucher à côté et tu lui dis que la boucherie à côté, elle est vraiment de meilleure qualité parce que tout est halal, ils vendent des légumes frais et tout. Tous les classes D sont demandés de venir. Les classes D, revenez. C'est dégueulasse! Le noir, il est un peu violent. Les classes D, venez, s'il vous plaît. Allez rentrer dans la boutique, les classes D, c'est parti. Bonjour! Bonjour. Qu'est-ce que vous m'avez ici? De la viande. Est-ce que vous vendez de la viande halal? Non, y'a pas de viande halal ici. C'est vraiment de la merde! La boutique d'à côté, au moyen, ils ont des produits de qualité! C'est quoi ce magasin là? Ça c'est pas halal. C'est vraiment de la grosse merde! Mon magasin il est halal, ça c'est pas halal! C'est pas. Non, je suis un pote de ta boutique! Y'a rien qu'à faire de la bombe, c'est qualité! Classe D, sortez! Je vais sortir de mon magasin! Défoncé ou quoi? Vous avez des choux-fleurs? Eh, toi là! Eh, voilà! Faut pas qu'on se voit, je vais te déchirer! Le boucher, l'autre côté, c'est que vous n'êtes pas ma concurrence! Et sortir, s'il vous plaît! Si ma boutique ne vous plaît pas, ça ne sert à rien de rester! Mais moi, je voulais prendre des brocolis! Je ne vends pas de légumes! Mais sinon, j'ai toujours pas eu ma viande, moi! J'ai lu! Ça sert à rien de rester! Ah! Oh putain, what the fuck? Coupez les grillages! Rentrez dans la boutique, rentrez dans la boutique, classe D, rentrez dans la boutique! Dites que vous voulez acheter de la viande! Je vais acheter de la viande! Vous avez des clients bouchés! Voilà! Aïe aïe aïe! Toutes les classes D, vous allez dans l'autre boutique, toutes les classes D immédiatement dans l'autre boutique! Hé papy! Je vais dans l'autre boutique, papy! Il se décompte d'un coup! Allez! Allô? Moi j'ai fait mon boulot! C'est parti en coup! C'est un manque de respect. Je me suis mené pour mon restaurant, monsieur. Le vieux, tu bouges. C'est toi, tu me joues mal à la toi. C'était lui, là. T'as pas compris que tu commençais à me casser les couilles, toi. T'as pas compris que tu commençais vraiment à me casser les couilles depuis tout à l'heure. Est-ce que tu vas me foutre ta balle dans la tête, connard? J'entends, tu vas m'écouter. Attention, suis-moi là-bas. Pardon. Ok, toi, tu vas venir avec moi, toi. Ok, vous les autres, vous attendez là.
Le mec a pris tous les classés comme des chiens. Il va se faire déchirer. Ouais. Moi, j'ai fait mon restaurant halal comme on m'a demandé et je me retrouve encore en plus. Par contre, ce que je te demande, c'est de la fermer parce que j'en ai marre d'entendre ta grande gueule. Bayonnez les trois, ça finit là. Ce qui m'étonne, c'est que la boutique, vous voyez, il y avait deux classés à l'intérieur et ils ne sont pas partis avec la boutique.